Salut tout le monde, c'est Nectar et bienvenue dans ce nouvel épisode de Planète Végéta. En attendant, on est dans un nuage. Voilà, c'est plutôt intéressant. Putain, il y a un autre nuage, d'accord. Bon, on est toujours en haut de notre perchoir. Du coup, j'ai juste attendu que la nuit elle passe, vu qu'il s'était mis à faire nuit. On va aller récupérer du boax. Pour pouvoir se faire des échelles montées et un petit peu plus de blocs pour atterrir là-haut en fait. Tout simplement. Donc, encore une fois, j'avais dit que l'épisode reviendrait vite et puis non, j'ai pas tenu ma promesse. J'ai pas tenu ma promesse du tout. Parce qu'il y a 2-3 trucs qui sont arrivés, on va dire des imprévus. Qu'est-ce que... Ah, des piou-piou maléfiques. Ah, ça rigole moins 5 ans, je suis stuff. Hein? Au début, on me faisait chier. Ah, saloperie de piaf. Ouais, du coup, 2-3 trucs qui sont arrivés, donc je m'y attendais pas. Donc, pas des choses vraiment, vraiment cool. Mais bon, on fait avec. Je vais pas revenir sur les événements, même si j'en ai parlé à certains. Qui m'ont demandé exactement qu'est-ce qui se passait, pourquoi il n'y avait plus de vidéo. Des petits problèmes. On va dire que des gens que vous pouvez considérer comme des amis, il faut faire attention et au final, c'est pas réellement des amis. Donc ça arrive à tout le monde, mais bon, vaut mieux partir en gardant que des bons souvenirs plutôt que de penser qu'aux mauvaises choses, on va dire. Parce qu'à cause de juste quelques personnes, beaucoup de personnes peuvent se faire manipuler et puis voilà. Donc voilà, donc faites bien gaffe les amis, si vous avez des amis, à bien les choisir et être sûr que ce soit des amis, même si au premier abord on pourrait croire. Même des amis de longue date, de plusieurs années, 2-3 ans, ça peut changer comme quoi. L'être humain est vraiment pourri jusqu'à la moelle. Donc voilà, c'est ce qui a, on va dire, empêché les vidéos, vu que j'avais pas vraiment le moral de tourner. Du coup, je me suis mis sur d'autres projets, histoire de penser à autre chose. Notamment des serveurs qui vont ouvrir, vous serez au courant, je ferai des vidéos annonces et des lives dessus, et des vidéos, des séries, je ferai plein de trucs dessus. Donc je suis rentré dans des projets un petit peu plus intéressants, on va dire, que ce que dans lesquels j'étais. Donc voilà, des serveurs qui vont ouvrir soon, peut-être ce week-end, avec un peu de chance, je vais pas trop m'avancer. Mais on a vraiment très bien avancé et je pense que d'ici ouais, ce week-end, en s'accrochant, il y a moyen. Il y a moyen qu'on puisse facilement en ouvrir quelques-uns, en tout cas pas tous, mais peut-être quelques-uns. En tout, on a pour projet d'ouvrir 5 serveurs, donc je vais pas spoiler exactement ce que c'est comme serveur, mais avec des thèmes différents. Ou plus ou moins identique, mais avec quelques modifications, on va dire. Donc, vous en saurez plus. Je vais pas trop spoiler, je vais essayer de garder les trucs comme ça, là. Et je vous en reparlerai le moment venu. J'ai du riz, sûrement, on s'en fiche un peu. Des pommes, un peu de colle, on va faire avec. Hop. Tac, on voit que ma tenue est absolument dégueulasse. C'est complètement moche, mais au moins je suis full protect. Hop. Ouais, je peux me faire mastic. Voilà. Ça fait combien? 64 de haut, je crois. 64 de haut, du coup, faudrait que je prévoie un petit peu plus. Histoire de monter. Puis d'atteindre le truc. Puis la plateforme. Ouais. Là, ça devrait largement suffire. Bam. Ah, t'es sérieux, il manque un stick. Fuck you. Hop, du coup, on se débarrasse de ça. On va se faire un stack. Bam, bam. Et on monte. Aïe. Voilà, du coup, on remonte. Gilou. Donc, je sais pas, je me suis même pas renseigné qu'est-ce qui se passait dans cette dimension au final.
On va découvrir tout ça, c'est vraiment full découverte, faudrait que vraiment je me renseigne à voir les trucs. Mais bon, les tutos sur Eternal Heights, c'est 3 vidéos de 45 minutes. Et honnêtement, j'ai pas 3 heures à passer à regarder la présentation du mode. Donc si vous avez 3 heures, pourquoi pas écoutez, moi je suis preneur. Et notamment une série avec des abonnés. Ça sera pas une série super complexe ou ultra modée ou quoi. Ça sera juste. Voilà. Ça sera vraiment. Comment je pourrais dire? Peut-être du farming. Pas envie de spoil en fait sur les séries. Crystallite Brick. Donc là pareil, mais là on a du Even Portal. Even. Even, Haven, Haven. Haven Portal. Donc, est-ce qu'on y rentre dedans direct ou pas? Parce que là, je me tâte. D'ailleurs, cette cape qui défend rien du tout, c'est complètement useless et c'est moche en plus. Bon, ouais. On va faire un tour. J'espère que je vais pas me faire défoncer, que c'est pas une dimension trop hostile. Download loading terrain. D'accord, déjà là-bas, on peut voir des monstres. Ça me. Il y a des espèces de petits trucs là, des petits gollums, c'est chelou. En tout cas là, il y a des espèces de titans. Il y a des trucs, il y a du bois. Ah d'accord, on est sur des îles. Très bien. On est sur une île flottante, d'accord, ça pue du cul. Non, non, je suis sur une île ou ça arrive pas à charger en fait? Comment ça se passe? Le problème c'est que j'ai peur de me mettre proche du vide. Non, on est dans le vide, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'on est dans le vide. Je vais mettre un waypoint. Blou-glou. Hop, histoire de me repérer si je pars un peu trop loin. J'ai envie de voir. Da fuck. Un truc qui vole. Ah, ça fait du bruit. Ça fait de l'accordéon, d'accord. Even gem, ça ne sert absolument à rien. Voyons, toi, viens. Il fait quoi, toi? Ah, il m'attire vers lui. On en parle qu'il m'a two shot ou three shot, on va dire. Il m'a mis trois coups. D'accord. Ok. J'avais pas prévu ça. Il m'a mis trois coups le bordel. D'accord. Je me suis fait défoncer. Je me suis fait mais défoncer. Alors là, il m'a mis trois coups le bousin. Il m'a tapé trois fois, je suis mort. D'accord. Mais pourquoi pas? On va. Je me suis fait défonce. Très bien. Bon, ben, on va aller retourner prendre notre stuff. C'est cool ça. Oh merde. Ah, j'ai tellement pris mal. Oh, mais c'est quoi cette dimension quoi? Mais c'est quoi ce mode en fait, Eternal Isles? C'est quoi ce mode hyper hardcore là? C'est quoi ce truc? C'est quoi cette histoire? Waouh. Oh, je suis tellement dégoûté. Apparemment, c'est par là. Continue au sol. Oh là 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 là, la défense quoi. La défense. En plus, il va faire nuit et j'aime pas la nuit, il y a des loups-garous. J'ai pas mon épée en gold. Il y a un four ici. Bon, je prends. Je prends, je prends. J'aimerais bien atterrir vite avant qu'il fasse nuit. Mon dieu. Ah ouais, là quand même, c'est bien bien marrant. je pense qu'il me faudrait un arc à la limite pour les sniper.
À la limite un arc, mais bon, pour l'enchant et tout, pour qu'il fasse à peu près de dégâts, ça va prendre 100 ans. À moins qu'avec Eternal Eyes, je puisse faire... Oui, je peux faire des flèches avec les gemmes que je plante. Plus TP, elle fait 0 dégâts, quoi. Voilà. Ah oui, aussi, je me suis pas mal mis, on va dire, au rétro gaming. Je sais pas si je peux dire rétro gaming. En fait, à des vues... Pas des jeux récents, en fait. Bah si, j'ai commencé The Witcher 3, mais ça, c'est autre chose. Mais c'est surtout... Oula, je vais faire... Putain, mais c'était si loin que ça. Putain, mais c'était hyper loin, en fait. The Witcher 3, mais genre, j'ai téléchargé des jeux que j'avais sur Steam, en fait, depuis que j'ai Steam, quoi. Donc, des jeux assez vieux, Portal, Left 4 Dead, des conneries comme ça. On va dire du old gen, on va dire des jeux niveau PS3 360, niveau âge. Et du coup, j'ai bien pris mon pied dessus, ça fait du bien. De temps en temps de se vider la tête, surtout avec ce qui m'est arrivé, quoi. Ah, là-bas. Hop, ici. Alors qu'on a la petite musique douce de Minecraft qui se lance. Faudrait qu'ils intègrent le moyen d'avoir, genre, soit à un moment quand on se combat des musiques épiques, des trucs comme ça, parce que des fois on est en plein combat et, genre, il y a la petite musique qui se lance. Si tu veux, tu peux craquer le jeune arbre. Oui, je jette des plantes. Non. Mieux. Je sens que tu vas me faire défoncer. Bon, on va voir. On va voir si je me refais défoncer. Sinon, on va falloir trouver une solution à ce problème. J'aurais peut-être dû me renseigner sur la dimension parce que si elle est vraiment chaude comme ça. Je sais pas s'il y a vraiment une dimension facile en fait dans ce mode. Parce que même l'autre dans les champignons, elle avait pas l'air super hostile. Le seul souci, c'est que y avait un espèce de lapin, quand on le tape, ça fait spawn des trucs. Ce qui est plutôt ballot. Ah merde. Ah merde. Ah oui. Ah merde. Ah shit. Non, pourquoi moi? Pourquoi je n'ai pas pris des échelles? Oh putain. J'espère que le stuff il dépop pas. Oh mon dieu, quoi. Mon dieu, j'ai pas pris de hache. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Bon, on va réussir. On va réussir. Allez, on retourne à la préhistoire. On va faire une hache en pierre. Pi R au carré. Notamment les 2 dernières semaines, je suis passé en live sur la chaîne de Yanis Astuce PC. Certains d'entre vous doivent connaître pourquoi je me suis fait une hache. Je n'ai aucune idée. Sur la chaîne de Yanis Astuce PC, donc je pense que oui, beaucoup d'entre vous doivent connaître. Assez content. Plutôt content, et puis c'est cool de faire la connaissance de nouvelles personnes aussi. Des fois. Du coup voilà, je vais juste envie de le placer. Histoire 2. Hop. Tac. Voilà. Du coup, je vais prendre des plus de bois. Et on va se faire le restant d'échelles. Putain, on aura passé cet épisode à faire des échelles. Ça, c'est super intéressant. J'ai posé combien de blocs? J'ai même pas posé un stack. Allez, viens ici. Oui. Ça devrait suffire, logiquement. Et j'ai drop des sticks alors que ça pourrait m'être utile là. Ah, mais c'est ceux de tout à l'heure. C'est ceux de tout à l'heure. Voilà. Oui, ça devrait largement être suffisant. Oui. Voilà. Et. Putain, toujours pas le bon compte. Donc, ça, je m'en fiche un peu, on va dire, ça aussi. Voilà. Et on y go. On y go, on y go. Donc là, va falloir soit faire l'aspirateur et se barrer très vite.
Pour pas se faire exploser par l'espèce d'aspirateur là. Honnêtement, je sais pas. Je sais pas comment on va faire. On va voir ça. On va improviser. Et je me demande si chaque portail amène dans une dimension différente ou si ça amène dans la même, mais comme des portails du Nether en fait. Ça, c'est une question que je me pose. Parce que ça serait intéressant à vérifier. Parce que là, on voit qu'il y a deux portails, donc est-ce que ça me TP juste un petit peu plus loin ou des trucs comme ça? Allez. Putain, par contre, il fait hyper jour dans cette dimension. Et ici, ça a pris. Saloperie, me touche pas. Je failli tomber, je failli tomber, je failli tomber. Tomber là, tomber, tomber la chemise, tomber là. Wop, wop. Ok. Là, y a un problème. What? C'est quoi ce truc? C'est quoi cette dimension de ouf? C'est quoi cette dimension de ouf quoi? Oh non, bordel de merde! Merde, c'était pas ça que je vais faire. C'est quoi la touche pour Ah, je peux même pas me téléporter. Merde! Oh là là, je me suis fait one shot! Je me suis fait one shot. Mon dieu. Mon dieu, mon dieu. J'ai pas de stuff. J'ai pas de stuff. Est-ce que je peux faire un slash difficulté? Ah mais non, je suis en local. Option. J'hésite. Est-ce que je passe en easy pour pouvoir récupérer les trucs? Parce que là, je peux pas. Je peux pas récupérer mon stuff. On va dire que j'étais niveau full diams. Tout à l'heure, je me suis fait défoncer en deux coups. Et là, j'étais full fer, quoi. Je me suis fait one shot. Je me suis fait OS. Améthyste. Pourquoi j'ai... Je me suis fait OS. Là, je sais pas trop. Là, honnêtement, je sais pas trop. Je suis tenté de passer un easy pour récupérer mon stuff. Parce que là, je peux. Concrètement, je peux pas faire grand-chose. Hein. À part perdre déjà pas mal de ressources pour aller chercher le truc. Merci, je me suis fait un plastron qui servait à rien. Bon, on verra s'il n'y a pas trop de mobs autour parce qu'il y avait je sais pas trop combien d'espèces de petits golems. Et plus les titans là. Oh, les espèces de colosses, il m'a one shot. Il est venu devant moi, il m'a regardé, il m'a fait coucou. Mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Alors là, ça va vraiment être hardcore. Ah, je suis dégoûté. Je m'étais dit, ça va aller, la dimension, easy. On va les miner tranquillout. Même pas sûr qu'il y ait des minerais en plus dans cette dimension. Enfin, je sais pas, vu la. Mais même. Je dis ça, sauf que toutes les dimensions pour l'instant elles sont hardcore. Le Nether doit y avoir des minerais, le truc il est hardcore. Pas possible. L'autre avec les champis, elle est. Ça semble tout mimi et tout, je me fais one shot. Par des espèces de lapinous qui font spawn des démons. Et là, ouais, celle-ci, elle avait quand même l'air hostile, vu que les trucs, les machins, ça fait pas super accueillant. Mais je me suis fait one shot, en fait. Ça fait 7 de dégâts. Pas terrible. Ça va être drôle. Ça va être très très drôle. Je le sens. Putain, en plus, je peux pas clear la pluie. J'ai pas Optifine. Faut que je vois si je peux foutre Optifine sur le modpack.
Histoire de désactiver au moins l'animation de la pluie, parce que voilà, c'est relou quand il pleut. Et les rendus durent 200 ans quoi pour calculer les particules d'eau. C'est n'importe quoi. Et ça pixelise à mort. Et ça pixelise à mort. Notamment comme sur The Witcher, je sais pas si je vais continuer parce que j'ai fait les deux premiers épisodes. Je sais pas si je vais les faire soit en 1080p 30 images secondes. T'as de portail quoi. D'accord. Ou alors en 720p 30 images secondes. Parce que. Non, 720p 60 images secondes ou 1080p 30 images secondes. Parce que le problème, le plot. Bon, le plot c'est plus long. Ouais, c'est quand même beaucoup plus long. Mais ça, c'est pas trop un souci vu que j'ai le temps pour le plot. C'est pas un problème. Mais c'est le traitement de la vidéo. Par exemple, l'épisode 1. Bon, l'épisode 1. J'avais fini le plot, c'était à peu près minuit, on va dire. Et le temps que le traitement se fasse de la vidéo, parce que c'était du 60 FPS, à 11h du matin, ça avait fini de traiter la 720p. Et à peu près 3h de l'après-midi, 3h30 à peu près, il y a la 1080p qui était disponible. Donc plus de, ouais, ça, 14 ou 15h de traitement de vidéo pour avoir le 1080p. Donc je sais pas si je vais mettre le 60 FPS parce que ça prend beaucoup de temps, beaucoup de temps au traitement YouTube et c'est assez relou quoi. Donc je verrai réellement si ça vaut le coup ou pas. Ok, quand on est haut, on n'entend plus la pluie. Bizarre. Donc je verrai ça. Je verrai, mais c'est juste ça en fait. Le plot et tout, c'est pas que c'est chiant. Le rendu est long, hein. Parce que pour la 60 FPS, en fait, c'est une seconde de rendu pour une seconde de vidéo. Alors que généralement, c'est moitié. Ouais, c'est deux fois plus court pour du 30 FPS. Donc, voyons voir comment ça se passe là. Mais non, il spawn kill mon stuff. Est-ce que je porte mes couilles ou pas? Mais non, il va me one shot. Il y a, vous avez vu, il y en a deux, trois. Il y a les autres là-bas qui vont se ramener à tous les coups. Comment je fais? Est-ce que je passe au moins en easy? Au moins en easy. Est-ce que je teste le test? Mais non, putain. Non. Putain, les autres ils spawnent là en plus, il pleut quoi. Est-ce que. Voilà. Bon, je mets en peaceful au moins pour récup mon stuff parce que oh, il y a la moitié qui a du drop. Non, il y en a juste un petit peu en bas. Je récup mon stuff et on reviendra ici plus tard. On viendra, on va miner, on va miner, on va miner ici. Ah ouais, ma wand, c'était un des trucs les plus importants. Les échelles, on s'en fout. Ici, j'avais vu un truc, non? Il n'y avait pas un deuxième truc de stuff ici? Je sais pas. Non, j'ai dû fumer. Est-ce qu'il y a des minerais ici? Il n'y a pas l'air d'avoir de minerais. Hein. Putain, si c'est une dimension de merde encore sans minerais, je me suicide. On va faire miner les minions. On va se remettre près du portail. Ah, ici. J'ai oublié du stuff. Du coup. Ça. Il y a du stuff usé ou pas? J'ai pas envie de drop les trucs là. Les gemmes, je suis pas sûr que ça serve à rien. Bon, ça, je m'en fiche. Je peux en avoir à l'infini quoi. Je fais miner mes esclaves et puis c'est bon. Hop. Tac, tac. Tac. Et on va faire miner ici, on va dire. Voilà, je vais repasser en normal. C'était juste histoire de récup mon stuff. C'est pas que je porte pas mes couilles. Mais bon, voilà, c'est vraiment impossible quoi. Comment vous voulez survivre à des titans comme ça?
Manger. Et je vais faire creuser ici. Even dirt. D'accord. Du coup, dig. On va faire un truc assez grand. Putain, c'est chiant ça. Quand ça brille. Pourquoi il remplace par de la dirt? On va laisser miner. Là-bas, c'est le bordel. Là, c'est le bordel. Ah, là-bas, il y a la pierre violette encore. Comme il y avait dans la dimension. Non, toi, tu viens pas. Ah, c'est ça, reste où t'es. Fait, j'ai peur que ça me tombe dessus sur tout ça, quoi. Ah non, c'est des feuilles, en fait. Ah, là-bas, il y a un petit massif. Là-bas. Qu'est-ce que c'est? What? Il y a des licornes! Da fuck, attendez. On s'occupe de ça après. Là-haut. On dirait. Je sais pas ce qu'on dirait en fait. On dirait un spawner avec des feuilles dessus. Je sais pas. Faudrait voir. Qu'est-ce que c'est que ça, on dirait? What? Une vache? Attends, moi je vais pas là-bas, il y a un gros golem ici. Il se passe quoi là? Putain, mais non, je peux pas. Si j'approche, je vais me faire défoncer. Putain, je flippe. What, je me casse. Salut. Salut. Voilà, je l'ai une summon. On reviendra, hein. On reviendra plus tard. J'ai laissé le waypoint. On va aller chercher dans un autre truc. Si c'est par biome, enfin ça m'a l'air d'être par biome. On va aller chercher. Non, on ira dans le prochain épisode chercher. D'autres biomes, je vais me renseigner cette fois-ci, je le promets. On va se renseigner sur les mods parce que là c'est le grand mystère. Oh, fils de bâtard, toi, viens ici, viens ici, viens, rapproche-toi, viens ici. Voilà. Et voilà. Mais. Ah! Putain, mais il spawn kill. Et si. Saleté. Sale bestiole. Bon. Ouais. On ira voir ça dans le prochain épisode plutôt. What the fuck, c'était le bordel. J'ai rien foutu. J'ai absolument rien foutu dans cet épisode. C'est n'importe quoi. Du coup, les gens, tenez-vous au courant pour les serveurs, tout ce qui va sortir là, soon. Honnêtement, ça va envoyer sec du steak, voilà, tout simplement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, il y a mon Skype dans la description. Comme d'hab, les réseaux sociaux, surtout Twitter, pensez surtout à me follow Twitter. Twitch, je suis repassé sur Twitch. Bon, là, j'ai stoppé les lives sévères. C'est ça, attaque les vaches. J'ai pas fait de live depuis quand même un bon petit moment. Bon, j'étais pas mal occupé. Du coup, ça va reprendre, mais sur Twitch. Pourquoi Twitch? Je vais faire une petite parenthèse avant de conclure. Parce que sur Hitbox, bon, il y a quoi? Du coup, il y a 3, il y a 4 semaines. Avant ces 4 semaines, vous pouviez régler la qualité du stream. En fait, vous pouviez choisir moyen, en fait 720, 480, etc. Et ils se sont dit, ah ben non. Oh, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Ah!
D'accord, donc on ira chercher le stuff dans le prochain épisode, on va dormir comme ça. Et du coup ils ont dit nope, ben on va le mettre que pour ceux qui ont plus de 100 viewers en fait, le partenariat comme sur Twitch en fait. Du coup Hitbox, du coup il y a moins de visibilité, et c'est tout. Et t'as pas les bonus, du coup autant retourner sur Twitch. Autant retourner sur Twitch vu qu'il y a quand même beaucoup plus de fonctionnalités, beaucoup plus de trucs, Twitch Alert, les trucs comme ça qui sont synchronisés. Donc voilà, tout simplement je repasse sur Twitch et puis voilà. Du coup, je vous fais de gros bisous, les réseaux sociaux. Oh putain, j'avais oublié que j'avais ce chapeau dégueulasse. Les réseaux sociaux. Et à la prochaine tout le monde, gros bisous.